Voilà, bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 8 janvier. Une première semaine de l'année s'est écoulée. Il va rester 51 autres semaines à vivre dans cette année 2021. Et peut-être pour certains encore, est-ce l'heure des soucis? Ces choses qui nous dérangent, qui nous tarabustent parfois dès le matin et qui nous empoisonnent nos journées. Ces petits soucis qui peuvent devenir de très gros si nous leur laissons la place dans nos cœurs. Et un évangéliste a écrit un jour dans un feuillet de méditation la chose suivante. Quand l'usine à soucis de notre cœur sera-t-elle en mesure de déposer son bilan? Et il répond à la question en disant « Lorsque nous réussirons à déposer le bilan de notre vie misérable et nos fardeaux aux pieds du Seigneur Jésus. » Et combien nous avons raison chaque matin de dire « Seigneur, qui est suffisant pour cette journée? Qui est suffisant devant les fardeaux qui sont ceux que je dois porter? Et je ne veux pas les porter davantage du reste, mais je veux les déposer aux pieds de la croix, aux pieds de mon Maître. » Souvent, nous, pasteurs, avons-nous dit aux chrétiens, nous vous invitons à déposer vos fardeaux lors de cette rencontre au pied de celui qui est vivant et qui veut s'en charger et qui s'en est déjà chargé. Mais surtout, ne les reprenez pas en sortant du lieu de rencontre. Et bien souvent, malheureusement, bien les chrétiens reprennent le fardeau qu'ils venaient de déposer au pied du Seigneur. La Bible affirme la chose suivante. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole du Seigneur, mais en qui les soucis de la vie et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nous savons fort bien que des buissons d'épines peuvent rendre stérile un champ qui pourrait être préparé pour telle ou telle culture. Et de la même manière, ces mêmes fardeaux, ces mêmes soucis nous empêcheront d'arriver à la maturité à laquelle le Seigneur nous invite. Et ce que Dieu désire, c'est que nous puissions, avec son secours et saisissant par la foi les promesses de sa parole, nous puissions arracher les soucis qui contaminent notre cœur. Si nous laissons un souci prendre place en nous, nous allons prendre le pli de nous soucier pour telle ou telle chose et quelque part, peu ou prou, tôt ou tard, le fait de nous faire des soucis risque de devenir une sorte de forme, de mode de vie pour nous. Quelque chose, entre guillemets, de normal. Mais Dieu nous a invités à nous décharger sur lui de tous nos soucis et de tous nos fardeaux. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, avant d'entamer cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle année 2021, que nous puissions dire, Seigneur, je veux compter sur toi, je veux m'appuyer sur toi, je ne souhaite pas que les fardeaux et les soucis qui habitent et agitent mon cœur continuent et se perpétuent, mais je désire maintenant me décharger véritablement de mes fardeaux. Car qui, Jésus dira, pourrait ajouter une coudée à la durée de sa vie en se faisant ainsi des soucis. Croyez-le bien, à chaque jour suffit sa peine, et Jésus est avec vous aujourd'hui, comme il l'a été hier, comme il le sera demain. Il nous en fait la promesse. Prions. Seigneur, merci pour cette journée qui va s'entamer, qui est devant nous. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses bénir ceux et celles qui sont en proie à des soucis, afin qu'ils réalisent que ce n'est pas à ces soucis de guider leur conduite et à contaminer leur esprit. Mais je te prie de leur permettre de se décharger sur toi de ces fardeaux, de ces soucis, afin que leur esprit soit désencombré de cela, au profit de ta parole et de tes promesses. Que ton nom soit béni en cette journée. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.
That's a reflex of mine.